sur les pistes du Waitukubuli National Trail. Partie 1. Vers les eaux bouillonnantes de la Dominique. 1. Le projet. Un week-end de Pâques reposant. Je m'appelle Nicolas et j'ai 26 ans. Ça fait bientôt 5 ans que je suis en Martinique. Et aujourd'hui, je partage ma vie avec Angélique. Et bien sûr, nos deux chats, Tigri et Tiponche. Angie est hydrobiologiste dans un bureau d'études. Son métier consiste à suivre et contrôler l'état des rivières, que cela soit au niveau de la faune ou même de la flore. Il est inutile de vous dire qu'elle ne manque pas de travail. Angie, elle aussi, est une aventurière dans l'âme. Plus modeste que moi, et pourtant, je ne peux prétendre à l'égaler. Elle a passé plusieurs mois dans un petit village de pêcheurs en Indonésie afin de déterminer les causes qui entraînent la diminution du nombre de dugongs dans l'océan. En Guyane, elle a dû plonger dans le lac de Petit Sault, où à 10 mètres de profondeur y règne l'obscurité la plus totale, entre les branches d'une forêt primaire totalement immergée. Un de ses collègues s'est fait mordre en mission par une chauve-souris vampire, ce qui a conduit à un rapatriement d'urgence à Cayenne en pirogue. On pourrait écrire un livre rien qu'en citant toutes les péripéties qu'elle a vécues. Quant à moi, je n'en ai pas tant à raconter. Je suis au chômage depuis quelques mois, et c'est la première fois que cela m'arrive vraiment. Au début, c'était sympa, cela m'a permis de vivre une aventure en janvier au cœur de l'anti-atlas marocain, et de partager des moments uniques avec les berbères d'une gentillesse extraordinaire. Mais aujourd'hui, je commence à trouver difficile, et j'active mes recherches pour retrouver un boulot rapidement. Avant, j'étais chef de culture dans une exploitation de canne à sucre où l'adrénaline animait chaque seconde, surtout pendant la récolte. Et je dois reconnaître que moi aussi, j'ai mon petit lot d'anecdotes à raconter. Mais qu'est-ce qui définit vraiment notre vie ici? Profiter. Profiter de tout ce que cette île a à nous offrir. Sur l'eau, dans l'eau, sur terre, les cascades, les rivières, la forêt. Oh oui, la forêt. On ne compte plus les heures passées dans les pitons du Carbet et sur la montagne pelée. Canyoning, VTT, plongée, apnée, chasse sous-marine, trail, voilà à quoi se résument nos week-ends quand on ne les passe pas à faire du bricolage dans la maison. La vie que l'on mène en Martinique est palpitante. Mais aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une nouvelle aventure. Le week-end de Pâques approche à grands pas, ce qui offre la possibilité à Angie de poser quelques jours de congés supplémentaires. Et moi-même, j'ai besoin de me changer les idées. Un défi. Voilà ce dont j'ai besoin. Un nouveau défi. Le temps de réflexion ne sera pas long. La décision est prise. Les billets sont réservés. Nous irons en Dominique du 5 au 10 avril. La Dominique, cette île méconnue située entre la Martinique et la Guadeloupe, est à 2 heures de bateau environ. Que d'éloges à propos de ce petit pays appartenant au Commonwealth. Source chaude, forêt dense, on roule à gauche et on parle anglais. Quoi de mieux pour se sentir dépaysé? Mais ce qui nous attire vraiment, la vraie raison, c'est ce fameux Waitukubuli National Trail. Ce sentier qui traverse l'île sur toute sa longueur, soit 184 km divisé en 14 segments. Ce trail est aussi périlleux que son nom est facile à prononcer. Nous sommes bien conscients que nous ne pourrons pas tout faire en 5 jours. Et après quelques heures de réflexion, l'objectif est fixé. Nous partirons du segment 1 et nous essaierons d'atteindre le Bowling Lake, soit un bon quart du parcours. Bon, trêve de bavardage. On a du pain sur la planche. Jour 1. Le départ. 5 avril 2023, 12h30. On court partout, on est en retard, on vérifie une dernière fois nos sacs. Réchaud, on a. Hamac, tarpe, moustiquaire, on a. Plaid, couteau, boussole, la bouffe, briquet, change, chapeau, casquette, cache-cou, kawé, poncho, lampe frontale, batterie externe, GoPro, appareil photo, trépied, chargeur, trousse de secours,
trousse de réparation, trousse de toilette, passeport, portefeuille, c'est bon, on a tout. Et nous voilà partis, direction le port de Fort-de-France. 13h30, on passe les formalités administratives, enregistrement de nos gros sacs de trek, et à peine une heure plus tard, me voilà assis sur un des sièges du Liberty, à m'inquiéter du trajet. Mes précédentes expériences en mer n'ont pas pour effet de me faire apprécier davantage ce trajet. Allez Nico, courage, faut juste tenir 2 heures. 3. On the sea. Finalement, la sortie en bateau se passe beaucoup mieux que je l'imaginais, sûrement grâce aux mers calmes ingérées juste avant. Malgré ma hantise envers tout ce qui flotte, je dois admettre que la vue en mer est incroyable. Alors que la navette s'éloigne lentement de mon île, je vois la forêt du nord et la montagne pelée qui s'estompe peu à peu, comme engloutie par la brume de sable, pour ne laisser place bientôt qu'à un mirage vaporeux. Cependant, à la proue, c'est le phénomène inverse qui se produit. Les pitons de la Dominique se révèlent, fiers et dominants. Ils sont dressés vers le ciel et en imposent par la forme de leur crête. Ces murailles de roches recouvertes par la forêt laissent deviner un véritable labyrinthe végétal. Alors qu'on atteint les rivages, je ne peux m'empêcher d'observer les sommets et les longues arêtes tout en essayant de deviner où se cache le sentier que nous allons arpenter. Les hauteurs que je scrute de mes petits yeux font appel à mon expérience de randonneur. Le dénivelé est redoutable. Des pentes quasi verticales où j'imagine qu'un sentier en épingle s'y faufile sur toute leur longueur. Ce qui provoque en moi un mélange grisant d'émotions, mêlant le doute et l'excitation. Alors que l'on avance doucement vers la capitale, des plages timides se montrent enfin. Bien que les reliefs leur volent la vedette, en se rapprochant, on peut voir des dizaines de maisons colorées. La plupart sont alignées les unes aux autres, parfois à fleur de l'eau, tandis que d'autres sont dispersées sur les hauteurs. Comme si le peintre qui a dessiné cette île avait eu la fantaisie d'ajouter à son paysage des petites taches de couleur. Je suis émerveillé. Si proche et pourtant si loin, je me sens déjà dans la forêt, au pied du hamac, au coin du feu. 4. Le calme avant la tempête. 16h30. La navette est amarrée. Premier pas dehors. Welcome to Dominica. On signe quelques papiers, on échange quelques mots en anglais, on récupère nos sacs et nous voilà à l'extérieur. 17h. Alors que nous quittons le quai pour atteindre le boulevard principal, je suis déjà étonné de ce que je vois. Les rues, les appartements, les voitures et même les gens semblent différents. Bien que le style colonial est largement visible, notamment par ce quadrillage de rues et de ruelles élaboré autrefois par ces ingénieurs du Nouveau Monde, une subtilité fait toute la différence, l'ambiance. Ici, rien à voir avec le calme inquiétant et la lourde pesanteur qui règne dans les rues de Fort-de-France. À Roseau, c'est une cacophonie de klaxons, de bruits de moteurs, de personnes qui alpaguent et polémiquent entre elles. C'est tellement agréable de se sentir dans une nouvelle atmosphère. Alors que des dizaines de taxis s'arrêtent et nous abordent avec insistance pour nous quérir, nous préférons user de nos jambes pour atteindre notre logement. Après une vingtaine de minutes de marche et l'analyse constante de notre position dans la ville, nous arrivons paisiblement dans un Airbnb plus que correct, avec la clim et l'eau potable. Profitons-en. Vers 18h, après avoir abandonné nos sacs, nous partons bien habillés chercher un restaurant. Nous choisirons raffiné ce soir. Petite terrasse, ambiance cosy, service impeccable. Le tout au-dessus de l'eau. Alors que nous dégustons notre viande et notre poisson, notre excitation est à son comble. Car Angie et moi savons bien que ce confort, ce calme, cette tranquillité laisseront bientôt la place à l'effort, la fatigue et l'aventure. Il est temps de rentrer, de se laver, de se reposer car une dure journée nous attend demain. 5. Jour 2. Du gaz à Roseau. 7h, le réveil sonne. À ce moment-là, je dois admettre que l'on traîne un peu des pieds. On prendra une bonne heure pour s'extirper du logement. Doucher, brosser, laver, rassasier, nous voilà partis en direction du Visitor Center, au nord de la ville pour acheter le pass
autorisant l'accès au parc national. Il est temps que j'éclaircisse pour vous un point fondamental. Comment se passent nos interactions avec la population locale? Je vais être rapide. Sans ma NJ, je serai bien comme il faut à la ramasse. Leur anglais créolisé ne facilite pas ma compréhension, qui n'a déjà pas la réputation d'être performante. L'échange entre la ranger et ma doudou interprète ne me rend pas plus à l'aise. Je ne comprends rien de la discussion et quand l'envie me prend d'envoyer une petite phrase, la réalité me rattrape violemment. 6 ans d'anglais à l'école pour au final ne pas être capable d'aligner 3 mots. Autant dire qu'il y a du boulot pour rattraper des bases bien enfouies dans ma mémoire, pas très loin de l'algèbre, sûrement au même étage que les dérivées, les tangentes et le théorème de Thalès. Bref, Angélique se dépatouille avec brio. Et nous nous en tirons pour 64 $ caribéens, soit environ 20 € pour une semaine dans le parc. Nous voilà prêts à démarrer l'aventure à un détail près. Le gaz. Il nous manque le gaz pour alimenter le réchaud et pouvoir manger chaud. Et oui, c'est comme pour l'avion. Il est strictement interdit de transporter des matières inflammables à bord d'un bateau. Notre naïveté nous laissa penser qu'il y avait un espoir pour que l'on en trouve à Roseau. Naïf en effet. 2 heures à fouiller la ville en long, en large et en travers, à demander conseil aux gens. On fera tous les magasins de bricolage, de jardinage, sport, camping, en vain. Les gens qui nous voient passer et repasser avec nos gros sacs sur le dos esquissent parfois un sourire ou un air étonné. 10h30. Nous abandonnons l'idée de trouver une bonbonne de gaz qui s'adapte à notre réchaud. Nous mangerons froid. Un 4x4 très SUV s'arrête à notre niveau. Le passager avant nous questionne. « Where are you going ?»« Scott Head », répondons en chœur NJ et moi. Et après une légère négociation, nous voilà en route avec les 2 hommes pour 60 ici, vers le sud de la Dominique. 6. On the trail. Durant le trajet, je suis curieux et amusé. J'aime cette nouvelle ambiance. Ici, on roule à gauche et le volant est à droite. La route littorale est étroite et donne par moments d'imposants virages en épingle, où 2 voitures peineraient à se croiser. J'écoute les 2 compères qui bavardent en créole. J'ai l'impression de mieux les comprendre que lorsqu'ils parlent en anglais. Parfois, j'arrive même à distinguer quelques mots ou expressions. Manque arrivé là, missier, ou bien en moins. 11h, nous sommes à Scott Head. Je regarde notre position GPS, le lieu où se trouve le départ. On s'arrange un peu, un petit selfie, on touche la surface de la mer pour marquer le coup, et c'est parti. Nous traversons quelques lotissements et voyons quelques riverains encourageants. Et au bout 1 ou 2 kilomètres, nous y sommes enfin. Un panneau l'indique. Segment 1. À nous, Waitukubuli. 7. Sous le sunlight des tropiques. Pour le moment, le sentier est assez bien marqué. Des panneaux, des flèches et des marquages bleus et jaunes guident nos pas à chaque intersection. Le démarrage à froid est plutôt difficile, les sacs sont lourds, les rayons du soleil qui se faufilent entre les branches nous inondent de chaleur, et pour ne rien arranger, ce segment se caractérise par une montée interminable. Bon, laissez-moi vous décrire un peu l'endroit. Nous sommes maintenant aux alentours des 300 mètres d'altitude, et alors que nous suons toute l'eau que l'on ingère à grande gorgée, nous commençons à entrevoir entre les arbres des points de vue sur la mer et sur Scott Head. Un cliché qui mériterait sans aucun doute sa place sur le recto d'une carte postale. Les eaux turquoises du littoral contrastent avec cette forêt incroyablement sèche. Ici, pas de canopée verdoyante et humide, mais plutôt un tapis de feuilles jaunes qui crissent sous la chaussure à chaque pas. Les survivantes, suspendues, encore un peu vertes, ne tarderont pas à subir le même sort. Nous franchissons des passages abrupts, aidés d'une corde, et finissons au bout d'une demi-heure par atteindre un plateau, le Morne Crabier. Un panneau d'information est là pour nous raconter l'histoire étonnante du lieu. Cette clairière de 3 ou 4 hectares, d'après mon regard de paysan, était durant l'esclavage une exploitation de caféiers. Le sentier du Waitukubuli est en vérité le vestige d'un chemin qui permettait autrefois d'acheminer les productions, les plantations au village. De cette habitation ne reste aujourd'hui qu'un maquis de goyavier et de quelques manguiers partageant le coin avec une poignée de bœufs. Alors que nous tâchons d'éviter les bouses minant tout le territoire, des goyaves mûrissantes s'offrent à nous. 13h, on s'installe à l'ombre, il est temps de manger.
8. Un repas gastronomique réconfortant. On trouve un petit coin à l'ombre d'un manguier et à ce moment-là, je suis très dubitatif concernant le menu de ce midi. « Doudou, ça te va, polenta froide ?» me questionne Angie avec un sourire narquois. « Oui, » ai-je répondu sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Elle mélange sa mixture dans la popote et le résultat n'est pas vraiment appétissant. Visuellement, cela pourrait s'apparenter aux bouses qui jonchent à proximité. Mais je préfère trancher radicalement en le comparant à du vomi. Niveau goût, là, on est sur quelque chose de plus croustillant. Chaque cuillère me confirme un peu plus l'impression de manger du sable. Heureusement, un chorizo prévu dans le paquetage améliore tant bien que mal ce délit gastronomique. Comment gérons-nous l'alimentation en trek ? Je vais tâcher d'être bref. Pour commencer, nous avons prévu de quoi tenir 4 jours, soit 8 repas chacun, sans compter le petit déjeuner. Manger en trek est quelque chose qui se prépare et se calcule à l'avance. Il faut prévoir suffisamment, mais pas trop, pour limiter le poids. Il faut des denrées qui peuvent tenir plusieurs jours dans un sac à dos, et on penche plus souvent pour du déshydraté. Des pâtes, de la purée, du lait en poudre, de la semoule, de la polenta, des nouilles chinoises, et souvent, on améliore ça avec des sauces et des soupes en sachet. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, on bouffe de l'industriel à gogo. Pour le moment, dans notre carrière de trekker amateur, on n'est pas encore assez équipé pour se déshydrater des fruits et des légumes, et se préparer nous-mêmes de bons petits plats. Mais ça viendra. Alors, en attendant, on améliore nos repas, parfois avec des ingrédients que l'on trouve en marchant. Du poivre pays, du bois d'Inde, etc. On opte également pour de la viande séchée, en l'occurrence gros saucissons et chorizo. Nous avons préparé nos rations avant le départ, et avons calculé la valeur énergétique de chaque part. Un travail minutieux et indispensable quand on prévoit un trek sans ravitaillement. Le hic, cette fois, c'est l'absence de gaz, qui permet vraiment d'améliorer la qualité du repas. La preuve avec cette polenta immangeable. Après cet échec, je regarde Angie et lui affirme avec entrain. « Prochain coup, je nous fais un feu. Même si je dois y passer une heure, mais crois-moi, le prochain repas sera chaud. » 9. Une idée brillante à l'horizon. Nous sommes repartis depuis une bonne heure et nous entamons la descente de l'autre côté du morne. Notre vitesse de marche a considérablement augmenté. Alors que nous nous enfonçons dans la vallée, nous observons une végétation de plus en plus verdoyante et un climat de plus en plus humide. Pour le moment, la difficulté s'apparente plus à de la balade qu'à de la randonnée. Nous avançons donc la fleur au fusil sur de petites propriétés agricoles et des petites routes de campagne. 15 heures, nous avons terminé le premier segment et sommes tous les deux déterminés à rayer le deuxième de la liste. À cet instant, je vois sur mon GPS qu'un point d'intérêt est proche de notre position. Il ne nécessite qu'un léger détour. Évidemment, nous y allons. Le but est simple, remonter une petite rivière durant une vingtaine de minutes. Alors que nous nous approchons de l'eau, on comprend vite que quelque chose cloche. Elle est orange, ainsi que tout ce qui se trouve sur son passage. En effet, une épaisse couche d'algues de cette même couleur, peu attrayante, recouvre troncs d'arbres, rochers, fougères arborescentes. Notre curiosité sans limite nous invite à la toucher. Elle est tiède. Je commence à comprendre. Tandis qu'on longe le ruisseau, qu'on la traverse, une odeur étrange vient chatouiller nos narines. Et voilà, nous y sommes. L'inscription sur le panneau indique notre position. Seconde dépôt de sulfure. Comme son nom l'indique, face à nous, un dépôt de soufre fumant, dont la couleur vire du blanc au jaune et, sans mauvais jeu de mots, dégage une odeur d'œuf pourri. On traverse la zone intrigante et en contrebas nous distinguons la fameuse rivière. Elle est claire et coule par petits filets d'eau. De la vapeur d'eau s'en échappe. Notre curiosité nous motive à descendre et soudain nous voyons un petit trou où de l'eau semble bouillir. Bien que le phénomène nous étonne et nous occupe quelques minutes, un regard entre Angie et moi-même confirme l'apparition d'une idée brillante. Incongrue, mais rationnelle. Notez bien que le repas de tout à l'heure ne m'a pas vraiment comblé. L'heure de la revanche a sonné. J'attrape la popote et décide de sacrifier une partie de l'eau qui nous reste pour la verser dedans. J'ajoute à l'intérieur une bonne portion de pâte coquillette. Je ferme le tout avec le capuchon et le positionne à moitié dans l'eau bouillante. Amusés, nous attendons que notre repas cuise gentiment au bain-marie pendant que ma doudou trempe ses pieds en amont.
La casserole est pratiquement hermétique, nous menons donc cette opération sans aucune crainte de s'intoxiquer au soufre. Allez, trêve de bavardage, asseyons-nous 10 minutes pendant que nos pâtes cuisent tranquillement au bain-marie et profitons de ce petit moment de répit pour se ressourcer, se retrouver et méditer. 10. Bouche pâteuse. NJ attrape la casserole, verse le contenu d'un sachet de sauce, mélange le tout avec délicatesse, referme le couvercle et remet la popote dans l'eau. « Encore quelques minutes et c'est prêt », me dit-elle. Une pensée vient troubler ma séance d'introspection. L'eau. Je m'inquiète pour l'eau. Effectivement, malgré les 5 litres que nous avions embarqués, il nous en reste maintenant moins d'une bouteille. Il est pratiquement 16 heures et d'après la carte, le GPS et mes estimations, un col redoutable est à franchir avant d'atteindre les rivières qui pourraient nous ravitailler. Nous avons bien sûr un filtre à eau et des pastilles de purification qui permettent de regarnir nos gourdes. Mais il est hors de question d'utiliser de l'eau polluée au soufre. Nous devrons donc atteindre les ruisseaux de l'autre côté du col avant de songer à établir un bivouac pour la nuit. Après concertation, nous décidons de hâter notre départ. NJ attrape les pâtes, m'indique qu'elles sont cuites. Nous les égouttons et mettons le tout dans le sac, ce sera notre récompense pour ce soir. 16 heures. Nous partons et affrontons ce col dont le dénivelé positif avoisine les 400 mètres. L'effort est considérable, et tandis que l'on dessine des virages en épingle pour espérer gravir cette verticalité effrayante, on amenuise toujours plus notre réserve en eau. Je me force à ne plus boire. Les dernières gorgées devront nous préserver en cas de déshydratation excessive. Les sacs semblent peser davantage et plombent notre morale. Notre vitesse de marche est au ralenti. L'humidité transforme l'air en un véritable sauna. Mais nous avançons à un rythme constant, pas après pas, virage après virage. Et en à peine 1 heure, nous parvenons au sommet du col. Victoire. Rien de tel pour la savourer qu'un point de vue sur la mer et sur la commune de Soufrières. Une légère brume de sable enveloppe la vallée et les rayons du soleil qui la traversent embrouillent partiellement la vision. Étonnamment, le résultat en est sublimé. Certes, la bataille est gagnée, mais une nouvelle, inévitable, va s'engager rapidement. Il faut trouver de l'eau. De là, 2 options s'offrent à nous. La première consiste à rejoindre le village de Tête Morne, offrant une garantie de trouver à boire, mais nécessitant un aller-retour de 2 km. La deuxième, plus risquée, car nous éloigne rapidement du village, consiste à continuer sur le trail. Effectivement, à 1 heure de marche environ, 3 petites rivières traversent le chemin successivement. Et d'après l'épaisseur du trait sur la carte, elle devrait être suffisamment volumineuse pour contenir de l'eau, et ainsi nous offrir un spot de rêve pour bivouaquer. Nous optons pour la deuxième possibilité, et ainsi nous oublions Tête Morne. Nous nous enfonçons donc à nouveau dans la forêt. Tant pis, nous boirons plus tard, me dis-je. Toutefois, notre expérience nous pousse tous deux à envisager une troisième possibilité, celle de tous les échecs. Si nous ne parvenons pas à trouver cette ressource si précieuse, il faudrait alors continuer pour atteindre un deuxième village à environ 3 km, puis camper aux abords d'une rivière encore plus grosse, mais encore plus loin. On n'y songe qu'à moitié en vue de notre état de fatigue et la distance importante à parcourir. 11. Comme un mirage. Voilà une demi-heure que nous avons pris le nouveau sentier. Nous avons déjà presque dégommé un bon tiers du segment 2. La luminosité baisse progressivement. NJ et moi ne parlons plus. Qu'une seule chose occupe désormais notre esprit. De l'eau. On veut de l'eau. On s'approche de la première ravine, mes pas s'accélèrent. Mes oreilles sont à l'affût, mais je n'entends rien. Quelques minutes plus tard, je plante mes chaussures au milieu du ruisseau. Pas une seule goutte d'eau. Ok, pas grave. Il en reste 2. On continue encore sur plus d'un kilomètre. On atteint la deuxième ravine. Pas d'eau. 17h45. On atteint la troisième. Toujours rien. Notre morale flanche réellement. Nous savons bien que nous ne risquerions aucun danger véritable, mais cela plongerait la nuit prochaine dans un inconfort absolu. Plus le choix, il faut atteindre le prochain village, Berekua. On avance silencieusement et déterminé d'en finir avec ce problème. Je m'en veux
d'avoir gâché tant d'eau juste pour une histoire de pâte cuite dans une source d'eau chaude. 30 minutes plus tard, il fait encore un peu jour quand nous atteignons la première maison du hameau. Une dame est assise paisiblement sur sa terrasse. À cet instant, j'incite Angie à lui demander où nous pourrions trouver une épicerie pour approvisionner en eau. Un moyen subtil de lui en réclamer. Voyant notre mine affable, elle partit quelques instants dans sa cuisine. Nous attendons devant sa maison sur la route, plein d'espoir. Et la voilà enfin, arrivant vers nous avec une bouteille d'eau fraîche. Je peux vous assurer que c'est probablement la personne que j'ai le plus aimée au monde à cet instant précis. On l'a habillée de mille merci pour cet acte de générosité avant de nous diriger vers les shops qu'elle nous a indiqués. Nous traversons la bourgade où des dizaines de personnes nous scrutent avec étonnement. Une dame fera de même une partie du chemin jusqu'à l'épicerie, curieuse et fière de nous raconter son voyage en Martinique. On finit par traverser un terrain de football où des gosses s'amusent et observent notre dégaine peu courante. Nous arrivons à l'échoppe avec la ferme intention de faire le plein. Nous achetons 4 litres d'eau, une bière et quelques gâteaux avant de nous remettre en route tandis que le soleil franchit l'horizon. Allez, courage, juste un petit kilomètre à faire pour atteindre le point d'eau. Même si nos sacs sont alourdis, nous pourrons bientôt établir le camp et nous détendre, soufflai-je à Angie. Oui, un petit kilomètre de rien du tout. Mais après cette folle journée, autant dire que l'effort est douloureux. Alors que l'on s'approche, une pensée vient me taquiner. Il aura fallu aller jusqu'ici finalement. 12. Ultime effort. Tandis que les maîtres défilent, un détail me chiffonne. Quelque chose ne colle pas avec ma carte. On est sur une route goudronnée et large. C'est pas normal. Pourtant, le GPS est formel. Nous sommes bien sur le trail. J'ai donc la certitude d'avoir mal interprété le tracé, ce qui, en soi, n'est pas si grave. On trouvera un endroit où dormir en remontant ou en descendant un peu le cours d'eau. Seulement voilà, nous arrivons. Et là, tout notre enthousiasme part en fumée. Elle est sèche, totalement sèche, mais surtout, et c'est là que réside tout le problème, elle est extrêmement encaissée. Impossible de trouver un coin pour dormir. Et merde, comment allons-nous faire maintenant? Bon, allez, cette fois Nico, on se concentre. Je prends mon portable, j'analyse la carte, mesure le tracé avec le GPS, et c'est avec un désarroi absolu que j'annonce à Angie qu'il nous faut monter. Monter 2,5 km sur 300 mètres de dénivelé positif, en sillonnant une route de campagne formant de larges épingles sur tout le flanc du Morne. Et tout ça, de nuit, les jambes tremblantes, les sacs alourdis d'eau, de bière et de gâteaux apéritifs. Et c'est reparti, lampe frontale sur la tête, mètre après mètre. On progresse, en guettant le moindre coin d'arbre pour y poser le hamac. Mais ici, pas d'arbre. Juste des prairies, des vaches et des chèvres. De toute façon, pas question de dormir au bord de la route. On devra aller jusqu'au bout. Mais croyez-moi, c'est long, très long. Les minutes défilent, les heures défilent. L'obscurité, l'inconnu, la route, les bruits de voitures au loin nous rendent un peu parano. Il est plus de 20 heures. Bientôt 2 heures que l'on marche sur cette allée d'enfer. Elle est toujours plus raide et toujours plus longue. Chaque pas est lourd, les courbatures assaillent tout mon corps, j'ai mal partout. Je comprends qu'il en est de même pour Angie. Je lui lance par moments. Courage mon cœur, on y est presque. Mais presque, on n'y est jamais presque, ruminai-je discrètement. Alors que le ciel dominicain nous éclaire de ses étoiles et de sa pleine lune, je m'évade dans mes pensées pour oublier sans doute l'épreuve que nous sommes en train de traverser. J'imagine et rejoue la scène de ce moment où nous pourrons enfin nous libérer de ce fichu sac. Je pense à ce repas qui nous attend, la bière, les pâtes et les petits gâteaux apéritifs. Alors que nous sommes sur la soi-disant dernière montée, je suis en tête de quelques mètres devant Angie. Elle m'appelle, je la vois flancher. Je m'approche, elle se repose quelques instants sur moi et nous repartons. On s'encourage mutuellement à voix basse. Allez, plus que quelques centaines de mètres. Nous arrivons enfin sur un sentier.
Quelques minutes plus tard, deux arbres nous accueillent sur la droite. On pose nos sacs au sol, on s'embrasse. Ça y est, on a réussi. Angie regarde sa montre, 18 km et 1810 mètres de dénivelé positif. Cela semble si dérisoire, à croire que les kilomètres comptent double ici. Nous gardons un peu d'énergie pour installer notre couchage, et malgré nos mouvements saccadés, nous y parvenons rapidement. Ainsi, hamac, moustiquaire, tarpe posée, nous exprimons notre soulagement en se vautrant sur l'herbe. Nous mangeons nos pâtes cuites écologiquement, mais froides, et savourons l'instant en dégustant une bière, tiède, et des gâteaux apéritifs écrabouillés. Pourtant, ce fut probablement l'apéritif le plus réconfortant de ma vie. Nous nous lavons tant bien que mal avec une bouteille d'eau, du savon et une serviette. Nous arrangeons nos affaires au mieux sous la bâche. Petit brossage de dents, étirement, relâchement et dodo. On s'installe enfin tous les deux dans notre petit abri suspendu, blottis l'un contre l'autre, et un plaid pour se protéger du froid nocturne. Un souffle libérateur marque à cet instant la fin du calvaire. L'aventure a bien commencé.